Bonjour Marie-Ange et bonjour à tous. Et oui, on va faire des tapas. Alors tapas, ça m'attire, c'est le mot du jour. C'est quoi les tapas? Les tapas, c'était des petites préparations. Alors pas des préparations spéciales, c'était ce qu'on avait prévu de faire au menu, qu'on proposait en apéritif. Et alors c'est vraiment pas idiot parce que comme ça, on gardait bien le goût des choses qu'on allait remanger par la suite. Alors par exemple, moi pour midi, j'ai prévu de faire une tarte. Au brocoli, saumon fumé et un petit fromage blanc frais à l'ail des ours. Voilà. Et bien, je vais proposer en apéritif à mon Bernard, puisqu'on est tous les deux à prendre l'apéro, je vais proposer en apéritif à mon Bernard des petits tapas. Alors, on proposait ça sur un verre de vin. Alors, vous savez, c'est filmé, donc vous verrez plus tard. Le verre est vide, bien sûr, parce qu'on ne peut pas montrer du vin comme ça. Et donc, on mettait des petites galettes ou alors du pain, une tranche de pain sur lequel était proposé ce qu'on allait manger après. Imaginez qu'après, j'ai fait du bourguignon. Je couperais des petits morceaux de bourguignon tout petits, un peu de sauce, un petit peu de mes légumes, des petites carottes, et je les mettrais pareil en présentation. Alors, pour faire nos petites crêpes farcies, fourrées, il nous faut 3 cuillères à soupe de farine de blé noir. J'ai pris du blé noir, d'abord parce que c'est sans gluten, et puis parce que franchement, ça rend meilleur le goût des aliments. C'est pas que j'aime pas les crêpes, hein, la farine de blé, mais franchement, c'est pas mal. Un œuf, du sel, du poivre et 12 centilitres de lait. Et après, donc ça c'est la base. Après, vous allez faire vos préparations à base de fromage, à base de poisson, à base de légumes. Mais moi, pour retrouver la tradition des tapas, qui veulent dire donc recouvrir, tamponner, c'est-à-dire poser un tampon dessus, j'ai choisi de vous faire des tapas avec une crème de brocoli à peine cuit, mais mixé et mélangé avec un petit peu de mon fromage blanc, du fromage donc à l'ail des ours que j'ai pris au marché chez Hélène de Saint-Martin-la-Méanne, et un petit peu de saumon fumé qui est coupé en petits morceaux. Alors tout à fait simple, voilà la farine de blé noir qui est... Je l'ai tamisée parce que sinon il y a des petites bestioles. Et surtout, vous la conservez où? Au réfrigérateur, dans un bocal en verre. Comme ça, elle ne s'altère pas du tout. Du lait, l'œuf, tout est mélangé. Ça vous donne une pâte vraiment fluide. Plus fluide qu'à l'ordinaire, hein, qu'une pâte à crêpes. Vraiment, vous avez l'impression qu'elle va être trop liquide. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, parce qu'il faut que nos galettes soient quand même légères. On met cuire, moi j'ai mis cuire ça dans une poêle à blinis, mais vous pourriez mettre dans une poêle normale, une crêpière. On fait cuire. Alors, d'un côté, il faut que ce soit toujours avec le blé noir plus cuit d'un côté que de l'autre. Ça, c'est comme ça, ça se fait comme ça. Et après, il suffit de farcir. Alors, deux solutions. Soit vous mettez votre préparation entre deux galettes, voilà, puis après vous allez les couper en deux au ciseau. Moi, j'aime bien faire ça. Comme ça, c'est vraiment la notion de partage. Mon saumon fumé, donc j'ai mis mon brocoli à droite, le saumon fumé dans le milieu, hop, et mon fromage frais de l'autre côté. Et on va recouvrir avec une autre petite galette. Sinon, vous pourriez essayer de les rouler avec le blé noir, c'est plus compliqué. Voilà un premier petit tapas. Alors, il est un peu gros pour l'apéro, mais on va le couper en deux. Et alors, j'ai fait une petite innovation. J'ai fait aussi mes petites galettes dans mon moule à gaufres. Et alors ça revient vraiment comme dans les temps très, très, très anciens, où les petits carrés qui sont dans l'empreinte du gaufrier vont retenir mes préparations. Et c'est très, très joli. Alors, on le met je farcis du côté où c'est moins cuit, parce que c'est jamais très joli avec le blé noir. Je vous rappelle que le blé noir donc n'est pas une céréale, c'est une plante. C'est excellent pour la santé. Et en plus de ça, dans notre région, on est vraiment une région à blé noir. Alors, les tapas, si aujourd'hui vous avez mis du pâté en entrée, vous allez faire des tapas au pâté. Si vous avez fait une omelette, vous allez faire des tapas en omelette. C'est à vous d'aménager vos tapas en fonction de ce que vous avez fait pour déjeuner. Ça, c'est pour suivre les traditions, figurez-vous. Et surtout, dans les temps où on ne savait ni lire ni écrire, les restaurateurs, les aubergistes, proposer leur menu avec des tapas, parce que sans les tapas, il y avait ce que les gens allaient manger le midi. C'est pas mal ça, hein, Marie-Ange? C'est sympa, oui. Et puis les tapas, c'est très actuel. Oui. Il suffit qu'on descende un petit peu vers le soleil, on peut faire des sacrés repas. Oui, tapas, oui, même ici, on en trouve, hein, des bars à tapas. Oui, oui. Ça permet de passer un bon moment, toujours avec un verre de vin. Et avec modération. Ah, bien sûr. Merci, Régine. Bonne journée, et puis à demain. À
demain en gardant le sourire. Moi, je continue à vous parler un peu des tapas hors antenne, Marie-Ange, si vous voulez bien, pour finir. Alors, comme je vous le disais, les restaurateurs présentaient leur menu. Par exemple, si vous avez préparé, vous achetiez le verre de vin, et puis si vous aviez sur le verre de vin le repas du midi. Alors, un premier verre de vin avec ma tarte au brocoli, au saumon fumé et au fromage. Après, si j'ai fait le bourguignon, comme je vous disais, un autre verre de vin avec un petit hachis de bourguignon. Il n'y a que le dessert qu'on ne proposait pas en tapas. Et ça, c'était pour les gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais il y avait des petits coquins, figurez-vous. Et ben, ils venaient, ils prenaient le verre de vin et ils mangeaient en même temps. Voilà. Ils mangeaient en même temps et après, ils ne restaient pas pour déjeuner. Ils avaient seulement lu et vu le menu qu'on présentait. Il y avait aussi, au XIIIe siècle, le roi Alphonse XIII, puisque les tapas, c'est plutôt espagnol, Pays Basque aussi, bien sûr, qui devait être soigné avec du vin chaud notamment. Et on lui présentait ces petites tapas pour accompagner le vin, pour ne pas qu'il ne fasse que boire du vin. Alors, moi, je vous propose de suivre les traditions et de faire vos tapas en fonction de ce que vous avez fait à déjeuner, ce qui, entre nous, vous demandera beaucoup moins de travail. Alors, je vous dis à demain et gardons le sourire.